Fait le tour de la France. Dans les zones de guerre, le pays est dévasté. Les villes, les villages détruits, les paysages bouleversés. Des millions de morts et de blessés. La France paye au prix fort la victoire. Et nous autres au Canada, on le mesure pas vraiment. Malgré toutes ces douleurs, Paris rayonne de mille feux. Ça, c'est le génie français. La capitale des arts, des lettres, du monde entier. L'énergie. La création fuse. L'avant-garde est formidable. Et à Montparnasse, les artistes de la planète ont rejoint les créateurs français. Je me sens bien. C'est Clémenceau! C'est Clémenceau! Je me souviens très exactement de la première soirée que j'ai passée avec Georges Clémenceau. C'était le 7 février 1924. Il m'avait emmené au théâtre, voir La vie parisienne. Superbe, la petite brune. Et une consoeur canadienne, mon cher. Charlotte Bosset, je... Il m'a encore refusé une interview. Franchement, tu es moins séduisant qu'elle. Hein. Non, tu veux pas dire que... Ah non, non, bien sûr que non, Clémenceau a 83 ans. Mais bon, continue à aimer les femmes. Et en 1917, quel était l'état d'esprit des parlementaires? Mauvais. Ils me détestaient, mais la défaite menaçait. Mandat l'expliquer à mademoiselle. Trois années de guerre, des centaines de milliers de morts, le pays dévasté, Paris menacé. En 17, la guerre est presque perdue. La classe politique est paniquée, le défaitisme gagne. Tout le monde déteste Clémenceau. Voilà, Mandel vous a dit la vérité. Eh, celui qui mène la meute, c'est Poincaré. Non, sans raison. Comment qualifier un chef d'État qui, alors que la guerre fait rage, appelle au pouvoir des hommes sans caractère, incapables d'insuffler à la patrie en danger l'énergie qui conviendrait? Non. Non, je ne voulais faire aucun geste pour amadouer ce président. Et cependant, Poincaré vous a finalement appelé? Ah, mais parce qu'il n'a pas eu le choix. Toutes les offensives ont échoué. Les armées ont connu des mutineries, la fameuse Union sacrée a volé en éclats, les socialistes réclament une paix immédiate. Quant à notre allié russe, il s'est débandé. Ouais. Les bolcheviks de Lénine et Trotsky négocient la paix avec l'Allemagne. L'agitation gagne toute l'Europe. Poincaré n'a plus qu'une seule carte, Clémenceau. Et comment vous avez réagi? Parbleu. Je suis allé voir mon vieil ami pour lui demander conseil. Les reflets des fleurs dans l'eau. Vous arrivez à fixer une réalité mouvante. Et vous savez ce qui est la marque de votre génie? C'est qu'il n'y a là-dedans aucune volonté théorique, de poésie ou d'esthétique, simplement votre sensation. C'est un immense cadeau pour l'humanité, vous êtes au sommet, Monet. Il faut encore travailler, Georges.
reprendre, corriger. J'enrage de ne pouvoir traduire exactement ce que mon regard me fait ressentir. Vous êtes comme moi, n'êtes jamais satisfait. C'est en cela que nous nous ressemblons. Écoutez-moi, mon vieil ami. Vous savez que je n'ai jamais cherché le pouvoir. J'en ai peur, j'en ai une peur atroce. Mais Poincaré va me proposer de diriger le gouvernement et je pense que je vais accepter. C'est un cadeau empoisonné, est-ce que j'ai raison? Allons, vous êtes Clémenceau. Et Clémenceau ne peut pas se dérober à l'appel du peuple. Georges, le pays souffre 1000 périls. Et vous êtes le seul homme d'État qui puisse nous éviter la défaite. Oui, le seul. Je suis inquiet, très inquiet. Tous les parlementaires que je reçois partagent ce sentiment. Oh, les parlementaires. En fait, le pays est désemparé. Plus d'un million de morts, près de 4 millions de blessés, des destructions épouvantables. Et pour quel résultat? L'immobilisme. On s'empiffre à l'arrière tandis qu'on meurt sur le front. Quand aurez-vous constitué le gouvernement? Très vite, monsieur le président. Ce sera un gouvernement de combat, je vous tiendrai informé. Merci beaucoup. Je serai impitoyable avec ceux qui veulent négocier. Impitoyable. Sur ce point, nous sommes d'accord. J'en suis heureux. C'est aux politiques de diriger les militaires. Je prendrai mes responsabilités. Je commanderai. Mes respects, monsieur le président. Insupportable. Toujours aussi hypocrite. Vous serez mon directeur de cabinet à la présidence du Conseil. Au ministère de la Guerre, le général Mordac occupera la même fonction. J'entends me consacrer totalement à la conduite de la guerre, donc vous me déchargerez de tout ce qui n'est pas essentiel. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le président. Merci. Et bien entendu, Mandel, pas de femme. J'insiste. La patrie est en danger, nous ne devons penser qu'à la France et à nos soldats. Nous leur devons tout. À votre interview, bien que je n'aime pas beaucoup ça. Mais comment vous résistez? En fait, monsieur le président, je prépare un livre. Un livre? Oui, mon premier livre a été un grand succès au Canada, donc mon éditeur m'a proposé d'en faire un deuxième et j'ai choisi Clémenceau. Vous n'avez rien dit, Mandel? Oh, ils ne sont pas au courant. Mais c'est très bizarre parce qu'en Europe, malgré... Bon, enfin, je veux dire qu'en Europe, vous êtes très connu, mais malgré tous vos voyages aux États-Unis, au Canada, presque personne connaît Clémenceau. Quel accent. C'est charmant. Bien alors, que voulez-vous? Rencontrer vos amis, vos adversaires. Mes adversaires, ce sera facile, ils ne manqueront pas. Mes amis, ce sera un peu plus difficile. J'aimerais aussi vous interroger. Sur quoi? Ben, votre carrière, votre vie politique, votre vie tout court. Ma vie privée. Elle veut sans doute voir mes fesses. C'est bon pour les Américains, ça. Ils ont l'habitude de ces procédés, mais pas moi, Mandel. Pas moi. Alors je ne veux plus la voir. Compris? Vous êtes parti. Et vous l'avez planté là. Mm-hmm. Quel âge, la belle plante? 25, 26. Ah, mais je n'aurais agi de la sorte, Georges. Si elle veut faire un livre sur moi... Je dis bravo. Prenez garde. Vous faites la fine bouche. D'autres ne le feront pas. Elle est vraiment très belle. Très belle et intelligente, donc dangereuse.
transpire. Si mes parents me voyaient, ils m'abattraient. Heureusement, ils peuvent pas m'imaginer comme ça. Les yeux m'aspirent. Mes lèvres. Évidemment. Attention, mademoiselle. Clémenceau n'est pas un zoo qu'on visite. Ma vie privée est privée. Tu te rappelles quand tu faisais les... On a fait des orgies, on a bien passé le temps. Messieurs les ministres, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce conseil où vous allez assumer la... Vous dites que Clémenceau n'avait que des ennemis. Mais comment il a constitué son gouvernement? Clémenceau a pris pour lui le ministère de la guerre et la présidence du conseil. Il a gouverné avec quelques amis de confiance, Jules Janonet, Ignace, comme sous-secrétaire d'État à la justice militaire, et Stéphane Pichon. Georges Wormser était mon adjoint. Et le général Mordac dirigeait le cabinet du ministère de la guerre. Pour la plupart des autres nominations, il m'a laissé faire. Et les socialistes? Rien à faire, malgré mes efforts. Ils ont refusé de gouverner avec celui qu'ils qualifiaient de briseur de grève depuis 1906, parce qu'il était pour la première fois le président du conseil. Que si les bolcheviks réussissent à conserver le pouvoir, ils n'auront pas d'autre choix, étant donné la situation du pays, que de demander l'armistice. Et toutes les chancelleries évaluent les conséquences pour les alliés de la victoire allemande sur le front de l'Est. Je travaillerai avec vous tous les jours, mon général. Je n'ai qu'un seul objectif, gagner la guerre. Je vous écoute. Dans les mers du Nord, à la frontière suisse, le front est stable. Mais nos dernières offensives au chemin des Dames et dans la région d'Ypres ont provoqué des pertes terribles, pour des résultats insignifiants. Tout est bloqué, monsieur le président. Tout est bloqué, mais il ne suffit pas de le constater, Mordac. Il faut rompre le front. Nous manquons d'hommes, de matériel, notamment de chars d'assaut, d'avions et de canons. Il faut attendre l'arrivée des renforts américains. Mais jusque-là, monsieur le président, il faut tenir. La politique des bolcheviks en Russie va permettre à Hindenburg de rapatrier ses troupes pour les jeter contre nous. Le général Pétain met en œuvre une stratégie défensive opportune. Non, ce n'est pas avec la défensive qu'on gagne une guerre, Mordac, vous le savez bien. Et puis les généraux doivent savoir que c'est moi qui décide de la stratégie. C'est aux civils de commander. Oui, mais en renonçant aux offensives sanglantes et inutiles, Pétain ménage le sang de nos soldats. Il est l'homme de la situation, monsieur le président. Bon, admettons. Mais demain, il faudra à l'armée des chefs capables d'audace. Il faut y réfléchir, Mordac. Oui, entrez. Je ne sais pas comment m'en sortir. Les Français sont une terrible complication. Clémenceau a proprement mis un terme à nos rapports. J'ai un partisan dans la place. Georges Mandel, le bras droit du tigre. Je crois qu'il ne me déteste pas. Merci.
Bonjour. Bonjour. Je cherche Charlotte Beauséjour. Allez voir. Merci. Bonjour. Charlotte Beauséjour. Elle est par là. C'est bien ici, hein? Hein? Je préfère le rythme. Désolée pour l'autre soir au restaurant. J'imagine que Clémenceau a été brutal avec vous. Non, ce n'est pas méchant. Hein. Il est soupoilé, sans gars. Mais charmant. Ça dit que vous aurez du mal à écrire sur lui sans son accord. Quelle idée d'évoquer sa vie privée. Ouais. En France, ça ne se fait pas. Par définition, les hommes politiques sont des saints. Ah bon? Eh ben, le musicien avec qui vous étiez là, c'est un de vos amis proches? Georges? Oui. Parlez-moi de Caillot. Caillot. Monsieur? Monsieur Joseph Caillot, s'il vous plaît. Je vais le chercher. Monsieur. Monsieur. Monsieur le Président. Monsieur le Président, sur décision du gouverneur militaire de Paris, vous êtes en état d'arrestation. Je vais vous conduire à la santé. Président, nous sommes passés de la République à la dictature. Il suffit désormais d'être d'un avis différent que Clémenceau pour se retrouver en prison. Ils sont cachés de l'accusation, se permettant de m'arrêter. Monsieur le Président, il ne m'appartient pas de connaître les motifs des instructions qui me sont données. Je me contente d'exécuter les ordres. Je rappelle que cette arrestation fait suite à la décision prise par le Conseil des ministres de lancer des poursuites contre M. Caillot. La levée de l'immunité parlementaire a été votée malgré l'opposition des socialistes et les réticences des radicaux. Il a été incarcéré hier, mais sera transféré dans une maison de santé jusqu'à son jugement par la Haute Cour. Parfait. C'est maintenant à la justice de faire son travail et je n'ai pas à intervenir dans ses décisions. Les autres affaires. Malvy a été renvoyé en haute cour et son procès devrait s'ouvrir l'été prochain. Très bien. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de procéder à des mutations dans ses services afin d'écarter les hauts fonctionnaires qui ont cautionné la politique laxiste de Malvy à l'égard des rouges et des anarchistes. Le directeur de la Sûreté et le préfet de police ont déjà été remplacés. Quant aux traîtres avérés qui ont reçu de l'argent allemand pour faire dans leurs journaux la propagande de l'ennemi, les Bolo Pacha, Duval, Lenoir, ils sont traduits devant les tribunaux militaires. Pour eux, c'est le poteau d'exécution. Mais, monsieur le Président, vous avez toujours été un adversaire de la peine de mort. Quant au dossier d'accusation contre Malvy et Caillot, au vrai, ils ne contiennent pas grand-chose. Ne craignez-vous pas qu'on nous accuse de rétablir le délit d'opinion? Mandel, lorsque la patrie est en danger, on ne peut se contenter de demi-mesures et de scrupules de conscience. Est-ce que vous croyez que la Révolution française aurait survécu si les Montagnards n'avaient pas envoyé tous les ennemis du peuple à la guillotine? On ne fait pas la guerre avec de bons sentiments, Mandel. Je vous remercie pour toute l'aide que vous m'apportez. Est-ce que Clémenceau savait ça? Est-ce que vous croyez qu'il ne le sait pas? Caillot a été président du Conseil en 1911. Il a évité un conflit avec l'Allemagne en négociant. À partir de 1916, il se montre critique et s'affirme comme le chef possible d'une majorité de rechange en voulant négocier une paix blanche, sans annexion ni indemnité. On lui reproche certains propos défaitistes, tenus en Italie. Des bavardages. Rien qui puisse s'apparenter à une trahison. Tout ça est terriblement injuste. Il s'agissait de relever le moral des Français, Charlotte, de les rassurer.
L'exécution des traîtres, la condamnation de Malvi avait pour objet de montrer au pays que le gouvernement ne céderait ni à la faiblesse ni à la trahison. Décidément, je découvre Clémenceau impitoyable. Non, un homme d'État, voulant faire passer avant tout le sort du pays. Clémenceau a sauvé la France. Et Malvi et Caillot pourront reprendre leur carrière politique. Quant au courage, Clémenceau en a à revendre. Non, les Allemands pourraient vous apercevoir. Foutez-moi la paix, Mordac. Ces petits gars risquent leur vie pour défendre la patrie. Alors qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils voyaient un vieillard peureux rester à l'abri? Monsieur le Président, je vous en prie, descendez. Où sont les Allemands? Là-bas. Je veux sentir du Bosch. Planqué à l'arrière, Mordac. Garde à vous ! Adjudant-chef Noël, 33e régiment d'infanterie, 2e compagnie, 1ère section. À vos ordres, monsieur le président. Faire un cadeau plus beau à celui qui a la responsabilité de vous demander de vous sacrifier pour la patrie. Je n'oublierai pas. Je vous jure solennellement que ces quelques fleurs m'accompagneront jusque dedans la tombe. Voilà, merci. Vive la France ! Vive Clémenceau ! On sent encore la mort. Il a gardé le bouquet. Il l'accompagnera dans son cercueil. Pour Clémenceau, ce sont eux les véritables héros de cette guerre. Et durant ses journées d'angoisse, il n'a cessé de vouloir être à la hauteur de leur sacrifice. Et pour le coup, il a réussi parce que tous les Français à qui je parle appellent le père la victoire. J'imagine qu'à cette époque, toutes les femmes de France rêvaient de le rencontrer. Sans doute. Mais durant cette période, le président a refusé toutes les invitations, qu'elles soient ou non féminines. En fait, il n'a quitté son bureau que pour prendre ses repas en famille. Vraiment? Et cette existence monacale s'étendrait à la compagnie de toutes les femmes? Toutes. La France a été, pour le président, la plus exigeante des femmes. J'ai là une lettre. Pour vous. Chère Charlotte, votre accent me manque. Venez. Il m'invite ? Vraiment. Merci, Georges, c'est grâce à vous. Hélas, je ne joue pas de saxophone. Thank you.
vais prévenir monsieur. Si vous voulez bien me suivre. Monsieur ? Ah, bonjour, Charlotte. Bonjour. Celle-là s'appelle Maryse. Lui, le coq, c'est Jack. Et vous les mangez, monsieur le président ? Non, voyons, jamais. Ce sont des amis, mais elles me pondent des œufs. On dit que ce discours est célèbre. Mais en vérité, en le prononçant, je n'ai pas éprouvé ce sentiment. Tenez. Je ne suis monté à la tribune ni pour engager de vaines querelles, ni pour polémiquer. Mais enfin, puisque je suis attaqué personnellement, qu'il me soit permis de justifier la doctrine du gouvernement. Oui. Il m'est arrivé un grand malheur à la naissance de mon gouvernement. J'ai été frappé d'exclusive par les députés socialistes avant même qu'ils ne sachent ce que je pourrais dire ou faire. Ils ont décidé, en vertu d'une noble science dogmatique, que j'étais un danger pour la classe ouvrière et pour la défense nationale. Vous voulez la paix ? Oui ! Moi aussi. Mais ce n'est pas en bêlant la paix que l'on pourra faire taire le militarisme prussien. Ma formule est la même partout. Politique intérieure, je fais la guerre ! Oui ! Politique étrangère, je fais la guerre ! Oui ! Je fais toujours la guerre. Je cherche à nous maintenir en confiance avec nos alliés. Mais si la Russie nous trahit, je continue à faire la guerre. Si la malheureuse Roumanie est obligée de capituler, je continue à faire la guerre. Et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure. Car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure. Ce discours vous a permis de marquer un pas décisif ? Non. Non, pas vraiment. La politique, Charlotte, obéit à d'autres règles. J'étais isolé à la Chambre, les députés ne m'appuyaient que du bout des lèvres. Il fallait que je me batte en permanence. Par ailleurs, la situation militaire était bloquée, le peuple n'en pouvait plus. Alors, naturellement, mon autorité était remise en cause. Vous êtes taillé un succès à bon marché, Clémenceau ? C'est facile de combattre jusqu'au dernier quart d'heure avec le sang des ouvriers et des paysans. Des centaines de milliers de Français se sont sacrifiés pour que l'Alsace-Lorraine reste française et que le militarisme prussien soit défait. Alors, Renaud Dell, si vous voulez capituler devant le Bosch, soyez logique, renversez mon gouvernement. Ce n'est pas la question. Allez-vous continuer à ignorer le désir de paix du pays ? Allez-vous continuer à rester sourd aux appels des parlementaires qui traduisent le sentiment du pays ? Mais Franklin Bouillon, le pays... La paix, je l'avais aussi, mais je ne veux pas une paix infamante. Je veux une paix victorieuse. Quant aux députés dont vous êtes, ils me renouvellent sans arrêt leur confiance. Et puis je vous rappelle, messieurs, qu'il suffit de me mettre en minorité à la Chambre pour que je démissionne. Et dans ce cas-là, je vous laisserai le soin de conclure cette guerre. Voilà, je vous salue bien. Ces attaques vous ont blessé ? Quand je me bats, je ne sens pas les coups. Tenez, la voilà. Eh ben, elle est magnifique. Je n'avais jamais vu des comme ça à Montréal. Hein. Il n'y en a même pas à New York. C'est un admirateur qui m'a offert cette voiture.
J'avoue que c'est assez confortable. Mais ne vous y trompez pas, Charlotte, je n'ai aucune fortune personnelle. Je ne siège dans aucun conseil d'administration. Ben, je vous crois, monsieur le président, tous les témoins confirment. Non, Brabant, je m'en occupe. Tenez, installez-vous. Je ne me souviens pas vous avoir autorisé à fumer, Charlotte. Vous avez la permission. Est-ce que vous avez réfléchi à ma demande ? Vous êtes tenace. Oui, j'ai réfléchi. Enfin, à vrai dire, c'est plutôt Mandel qui a insisté. Mon amie Marguerite Baldensperger accepte de vous rencontrer. Oh, merci. Merci, monsieur le président. Avec Mandel, vous avez un collaborateur extraordinaire. Ah oui ? Oui, c'est rare. Vous avez raison. Il m'a souvent servi de bouclier. Je vous écoute. Bien, alors les critiques se multiplient sur le thème « Où sont les résultats ?» La presse socialiste vous accuse de mener une politique criminelle et vous considère comme un danger pour la classe ouvrière. Et la défense nationale ? L'œuvre n'est pas beaucoup plus tendre. Bref, ici ou là, on vous reproche une politique autoritaire. Le président du Conseil agit comme un dictateur. Enfin, mais est-ce qu'il y aura un seul journal dans ce pays pour défendre ma politique ? Dites-moi, Mandel, on vous accuse partout d'acheter la presse à coups de subsides, de décorations, de flatteries. Pour quel résultat ? Est-ce que vous ne seriez pas par hasard en train de gaspiller les fonds secrets en pure perte ? Je ne crois pas, monsieur le président. D'ailleurs, nos amis vous soutiennent. Et puis, dans une démocratie, mieux vaut connaître ses opposants. D'autant que ceux-ci s'attaquent non à la politique suivie, mais aux méthodes utilisées, qu'ils jugent dictatoriales. Vous êtes en train de me donner une leçon de stratégie parlementaire, là ? Vous oubliez que j'ai près de 50 ans de pratique politique. Alors, je sais que, ici et là, vous laissez entendre que vous inspirez toutes les décisions du gouvernement, mais rappelez-vous une chose, il n'y a qu'un seul chef. Vous n'êtes qu'un exécutant. Je n'oublie rien, monsieur le président. Mais je crois de mon devoir d'attirer votre attention sur ce qui me paraît important. Admettons. Continuez à vous hausser du col auprès des parlementaires. Après tout, cette attitude a au moins l'avantage d'attirer sur vous la critique de tous les mécontents. Mais entre nous, rappelez-vous une chose, c'est moi et moi seul qui gouverne. Les propos du président étaient très injustes. En fait, je sais qu'il a de l'affection pour vous et que vous lui êtes indispensable. J'apprécie votre amitié, Barnsard. Mais croyez-moi, les blessures d'amour-propre sont peu de choses quand on a le privilège de servir un géant. Et si je peux alléger sa tâche en attirant sur moi les colères et les frustrations, je me considère comme totalement satisfait. Et peu m'importe qu'on colporte ce mot qu'il n'a sans doute pas prononcé, c'est moi qui pète et c'est Mandel qui pue. Tout ça ne vaut pas l'amour, la paix, l'amour, la vraie amour, l'amour qui fait revivre et qui vous enivre encore et toujours. Tout ça ne vaut pas l'amour, les petits bégots qu'on met autour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour. Ce SPAD qui sort de nos usines est un appareil rapide, maniable. Il surclasse les Albatros et les Halberstadt D des Allemands. Avec le nouveau modèle britannique, le Sopwith Camel, il devrait nous permettre d'assurer la maîtrise du ciel. D'autant que les difficultés d'approvisionnement en essence et le nombre important de pilotes tués affaiblissent les possibilités de l'ennemi. Très bien, Mordac. C'est une bonne nouvelle. Mais il faut accélérer la fabrication. Messieurs, dorénavant dans cette guerre, la maîtrise du ciel sera indispensable. Nos ingénieurs y travaillent d'arrache-pied, monsieur le président. Oh ! Ah ! Magnifique ! Magnifique ! Oh ! Messieurs, le ciel est à nous. Le président aime les avions. Oh,
Allez, rejoignez-nous. Aujourd'hui, c'est à Paris que tout se passe, hein. Vous avez vu, on y trouve vraiment la jeunesse du monde entier. Il vous faut au moins ça, hein. Ah, je sens un genre de reproche dans votre ton, Georges. Non, mais vous savez, hein, depuis la fin de la guerre, les femmes n'acceptent plus de se faire traiter différemment des hommes, hein. Vous comprenez? Oui. Manifestement, oui. Ah, Tom, this is my friend. George, this is Tom, de Chicago. Nice to meet you. Enchanté. Enchanté. Le président m'a demandé de vous parler de son mariage. Enfin, plutôt son divorce. Mais décidément, c'est vous qui êtes encore ouais, personne ne me force, Charlotte. Champagne, s'il vous plaît. Bien, le président se marie en juin 69 à New York avec une jeune américaine, Marie Plummer. Rapidement, ils ont trois enfants, Madeleine, Thérèse. Et Michel. Elle vit en Vendée, lui à Paris. C'est la règle. La plupart des hommes politiques français ont une femme dans leur circonscription, une maîtresse à Paris. Eh bien, on se demande rien. Pardon? Ah non, je dis que c'est vraiment effrayant. Ah. Mais remarquez, c'est la même chose à Montréal. Tous les hommes se croient tout permis. Je raconte, je ne juge pas. Bref, le président a des liaisons, des aventures connues de tout Paris. En réaction, sa femme prend un amant. Ah! Vous connaissez la suite? Non. Monsieur, partez. Madame, je sais qui vous êtes. Le préfet est ici et votre mari également. Bien, madame, la solution. Le scandale, je crois qu'il faut l'éviter. Ou le départ. Ce soir au Havre, le maire Mauss part pour New York, vous le prenez. Voici vos billets. Pas de scandale, le divorce sera prononcé plus tard. C'est honteux. Si vous parlez de votre comportement, madame, je crois que tout le monde sera d'accord. Le soir même, elle embarque pour New York. Je veux pas me répéter, mais c'est vraiment effrayant. C'est un mot qui vous plaît, ça. Hein? Je reconnais que c'est pas le Clément que je préfère, mais ne jugez pas. Cheers. Ah. On s'amuse ici, hein? Oui. Où en sommes-nous? Nous tenons. Nous tiendrons, monsieur le président. J'attends les Américains. Mais pour l'heure, les Allemands se renforcent avec leurs soldats rapatriés du front russe. Aussi faut-il être vigilant et prudent. Non. Non, général, non! La prudence ne peut pas tenir lieu de stratégie. Il faut se donner le moyen de percer le front. Repousser l'ennemi hors de notre territoire. C'est pour ça que j'ai pris la tête du gouvernement. Monsieur le Président, nous ne pourrons pas recommencer l'erreur de l'offensive Nivelle. Elle nous a coûté 150 000 hommes pour des gains insignifiants. L'armée est encore convalescente. Le feu tue, Monsieur le Président. Je sais, Pétain, je sais. Mais le pays ne peut pas souffrir indéfiniment. Sa cohésion ne résistera pas à une trop longue attente. Américains, Canadiens, Australiens, mais aussi Néo-Zélandais. Combien sont-ils exactement? Près de 230 000, monsieur le Président. C'est un début. Tous ne sont pas opérationnels. Il faut les s'équiper, les entraîner, les former. Et quand sont-ils en mesure de combattre exactement? Dans 2-3 mois. Oh, c'est long. Pas de problème, c'est que nous manquons de bateaux pour les faire venir. Bordac dit vrai. Il faut augmenter le tonnage. Nous discutons avec les alliés pour créer un pool, une mise en commun de tous les bateaux alliés. Concrètement, ça changerait quoi? Un tel dispositif nous permettrait de faire débarquer chaque mois 250 000 hommes. Vers juillet, monsieur le Président, nous pourrons être au total 1 million. 1 million, tout change. C'est la première bonne nouvelle depuis longtemps. Clémenceau a passé en revue des détachements de soldats américains. Puis le Tigre s'est adressé à eux. Salut à vous, soldats américains! Venez combattre pour la liberté.
Comme jadis, Lafayette et une poignée de Français sont venus chez vous vous aider à conquérir votre indépendance. Vive l'Amérique! Vive l'amitié franco-américaine! Lorsque Clémenceau parle en public, ce qui frappe, c'est l'accent d'authenticité. Non. Ce qui frappe, c'est l'accent de vérité. Le général Pershing en était bouleversé. Il faut faire vite. Je vais préserver, monsieur. Entrez. Belbert. Les Allemands se rapprochent, monsieur. Donnez-moi mes affaires. À chaque fois qu'on m'annonce une bonne nouvelle, c'est une catastrophe qui est au rendez-vous. Ah, ce pétain! Ils ont attaqué ici. Un front de 80 km, exactement entre Arras et La Fère, à la charnière des positions françaises et anglaises. Une brèche est ouverte. Leurs avions procèdent à des bombardements vers la région parisienne. Une dépêche a annoncé des explosions sur Paris. Et ce matin, ils ont installé un canon de 420 qui peut atteindre la capitale, monsieur le président. Bon, allons à Compiègne. Je veux savoir ce que Pétain envisage pour contre-attaquer. Êtes-vous sûr que ce soit le moment, monsieur le président? Oui, Wormser. Ce Pétain n'est pas un chef, c'est un administrateur. Et c'est lui qui est le commandant en chef des armées françaises du Nord-Est. Venez, Wormser, venez. Wormser, venez. La situation est catastrophique. Écoutez, si on veut s'en sortir, nous devons absolument réussir à unifier le commandement militaire allié. Ils n'accepteront jamais. Si nous ne voulons pas subir une défaite majeure, monsieur le président, il est indispensable qu'une trentaine de divisions françaises viennent épauler les troupes britanniques. Indispensable et urgent, Foch. Il faut décider tout de suite d'envoyer des renforts français. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette décision ne peut être imposée à l'état-major français que par un commandant en chef qui aurait autorité sur l'ensemble des troupes alliées. Le général Foch décrit avec lucidité la situation dramatique qui est la nôtre, mais en même temps, il indique la solution. Le commandement unique. Je propose donc que nous nous mettions d'accord ici pour nommer le général Foch commandant en chef des troupes alliées. Placer les troupes de Sa Majesté sous un commandement français. Et pourquoi pas un amiral français à la tête à la Royal Navy. Du calme, monsieur le Premier ministre, du calme. Nous n'avons aucune mauvaise intention, nous voulons simplement gagner la guerre ensemble. La majorité des troupes au front est française, donc il me semble logique que le commandant en chef le soit aussi. Clémenceau. Vous cherchez à réussir là où Bonaparte a échoué. Oh. Lloyd George, je ne suis pas bonapartiste, vous le savez bien. Et j'ai toujours été un farouche adversaire du Second Empire. Non, le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si, pour une simple raison d'orgueil national, vous êtes prêt à envisager l'écrasement des forces anglaises, alors que le commandement unique permet de redresser la situation. À la rigueur, je pourrais consentir à la nomination du général Foch à la position de coordinateur des troupes alliées. Mais, commandant en chef, ce n'est vraiment pas possible.
coordinateur, mais c'est très bien ça, coordinateur. Pas pour coordinateur. En général. Oui, sans crainte, monsieur le président, le général Foch aura les fonctions de commandant en chef. Le titre viendra après, de surcroît, lorsque nos amis alliés auront constaté l'efficacité de son action. Bien joué. Pourquoi vous entraînez encore? En cas de duel. Et vous comptez vous battre? Pourquoi pas? Si mon honneur était en jeu, je n'hésiterais pas un instant, Charlotte. Vous voulez essayer? Oui, je voulais. Avril-mai 1918, c'était la pire époque, Charlotte. La pire. Les Allemands semblaient invincibles. Le sang coulait des deux côtés. Mais il fallait absolument que la France reste la France. Et pour cela, il fallait bien qu'on l'emporte. Depuis deux mois, nous subissons des offensives que Foch s'efforce de bloquer en déplaçant les unités. Il a réussi à arrêter l'offensive sur la Somme. Mais les Allemands multiplient toujours les coups de boutoir. Foch se bat comme un lion. Mais depuis quatre jours, l'ennemi attaque à nouveau à partir du chemin des Lames. Et il est à 60 km de Paris. Et que fait Pétain, que vous défendez toujours? Pétain propose d'abandonner les Vosges et la Lorraine. Et comme il n'est pas sûr de pouvoir défendre Paris, il préconise le départ du gouvernement. Et la fuite à Bordeaux, comme en 14. Pour bien prouver à l'opinion que le gouvernement est formé de lâches qui veulent se mettre à l'abri. Pétain participe à l'affolement général. Voilà tout. D'ailleurs, à part Foch qui conserve son sang-froid, les parlementaires et les militaires semblent avoir perdu tout bon sens. C'est un sauf-qui-peut irrationnel. Et pendant cela, bien sûr, les intrigues reprennent, Briand se répand partout en remarques acides à mon égard. Les socialistes demandent à interpeller le gouvernement, en espérant bien pouvoir le renverser. C'est la panique. Et derrière toute cette agitation, dans l'ombre, se dissimule Poincaré. Il aimerait bien voir tomber mon gouvernement. Ça lui permettra enfin de pouvoir jouer les premiers rôles. Quels que soient vos désaccords avec Poincaré, je pense qu'il vous soutient sincèrement. Eh bien, nous verrons bien. En attendant, messieurs, dites à tout le monde que Clémenceau garde son sang-froid et qu'il tient bon la barre. Nous les aurons, vous m'entendez? Nous les aurons. Tous les jours, le général Mordac a porté au président le total des morts et des blessés. Par exemple, en juin 1918, en quelques semaines, 120 000 hommes tués. Et chaque jour, 18 000 blessés. Boucherie, massacre, les mots me manquent. Pauvre vous, dont courez-vous, la mort vient assez vite. Monsieur Briand, est-ce que c'est exact qu'en mai 1918, un complot a été organisé? Un complot? Ben non, mademoiselle. Les Allemands menaçaient Paris. En fait, la situation était si grave que les présidents des deux chambres ont jugé nécessaire de réunir quelques parlementaires afin d'examiner les mesures pour redresser la situation. En clair, écarter Clémenceau du pouvoir. Ah. Depuis 1914, Clémenceau n'avait de cesse d'affaiblir les différents gouvernements en prétextant
que leur chef était des incapables. Or, depuis son arrivée au pouvoir, lui-même n'avait obtenu aucun résultat. Et Paris était à nouveau menacé. Excusez-moi, il était légitime de lui réclamer des comptes. Bah, il n'en rendait pas au Parlement. Formellement, il répondait aux convocations des commissions parlementaires. Il montait à la tribune. Il posait même la question de confiance, persuadé que les députés n'oseraient pas le renverser. Bonjour. Charlotte Beauséjour, Marguerite Waldensperger. Merci d'avoir accepté, vraiment. Remercie Clémenceau, c'est lui qui a insisté. Venez, avec moi. En fait, comme vous, ma rencontre avec Clémenceau est une affaire de livre. Je suis éditrice. Je lui ai proposé d'éditer un livre, il a accepté, choisi comme sujet Démosthène. Voilà. Marguerite, c'est un peu tout le reste, en fait, qui intéresse mes lecteurs. Ils vont être déçus. Dès le début, il y a eu quelque chose de très fort. De l'amour? Je ne pense pas que ce soit le mot exact. Georges dit qu'il est fou d'amitié. Il m'écrit tous les jours. Tous les jours? Il parle de quoi? Du ciel, des oiseaux, de moi. Il raconte ses pensées, il dévisage le monde. Il m'écrit des poèmes. Des poèmes? Ah, c'est intéressant. Et vous pourriez m'en réciter un? Belle dame amie. Très belle dame et plus que charmante amie. Oh, la plus dangereuse des madames. Fantasque amie. Ma toute vibrante amie. Belle madame, amie chère. Oh, chérissime amie. Mais ça, c'est incroyable. Clémenceau est prévenant. Il est présent du matin au soir, en direct ou par écrit. Il occupe le terrain. Exactement. Au début, il y a un an, j'étais désespérée. Je venais de perdre un enfant. Il m'a dit, mettez votre main dans la mienne. Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir. J'étais bouleversée. Vous aviez raison, elle est vraiment très belle. N'essayez pas de me la piquer, Claude. Oh, mon âge. Je vous crois capable de tout. De quoi vous parlez? De votre livre. Ah oui, bon. Je ne crois pas, monsieur le président, je commence à vous connaître. Bon, justement, parlons-en, au travail. Oh non, non, Charlotte, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre la fin du repas? Une petite question. Je voulais juste savoir, est-ce que vous vous souvenez quand la situation militaire s'est retournée? Oui. Très exactement, le 9 août 1918. Attendez, vous m'avez déjà évoqué la situation quasi désespérée de mai 1918, et là vous me parlez de victoire. Et comment le miracle s'est produit? Le miracle? Il n'y a pas de miracle. Je ne crois pas au miracle, Charlotte. Non, simplement, à l'été 1918, la situation a changé. Voilà. Les Boches ont lancé une cinquième offensive. Cette fois, nous avons pu la briser. Et grâce aux renforts américains et aux chars, nous avons déclenché la contre-offensive. Pour la première fois, nous avons repris du terrain, fait des milliers de prisonniers. Messieurs, les Allemands reculent. Oh, ce succès n'a rien de décisif, mon général. Depuis, notre avance est à nouveau stoppée. Mais attendez, Jeannet. Foch est désormais assuré de la supériorité en combattants et en matériel. Avions, chars, artillerie, nous nous imposons dans tous les domaines. Foch a mené hier une attaque qui s'est traduite d'emblée par une forte avance, le dégagement de Paris et de très lourdes pertes pour l'armée allemande. Non. Nos experts sont formels, l'adversaire n'est plus en état de réagir. En d'autres termes, l'espoir a changé de camp. Messieurs, peut-être enfin touchons-nous au terme des sacrifices consentis par les Français. Ce sera d'abord votre victoire, monsieur le président. Merci, Mordac.
Morbleu, Wilson peut jouer les généreux. Les Américains ont vu la guerre de l'autre côté de l'Atlantique. Ce ne sont pas leurs soldats qui sont tombés par centaines de milliers. Ils ne sont arrivés que pour cueillir les lauriers de la victoire. Mais non, monsieur le Président, non, je ne suis pas d'accord. Leur aide a été indispensable. C'est grâce à leur renfort que le sort de la guerre a basculé. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est qu'ils veulent signer une paix séparée et sans nous consulter. Cette demande d'armistice n'est qu'une manœuvre destinée à gagner du temps. Il faut refuser toute discussion tant que l'ennemi n'a pas été chassé d'Alsace-Lorraine et vaincu sur son propre territoire. Il faut demander à Foch de transformer en déroute le recul allemand. Monsieur le Président, nos soldats sont fatigués. Les Français aussi. Ils sont là d'une guerre qui n'a que trop duré. Si les Allemands demandent l'armistice, c'est qu'ils admettent leur défaite et nous sommes en mesure de leur imposer nos conditions. Alors je ne veux pas faire durer la guerre un jour de plus. Je ne veux pas sacrifier une vie supplémentaire pour satisfaire l'orgueil national. Il y a un peu sur les troupes. Rien. Savez-vous ce que Poincaré ose m'écrire ? Que ma décision d'accepter la demande d'armistice allemande risque de couper les jarrets à nos troupes. Malgré ça, vous savez bien que Poincaré reconnaît que vous êtes l'artisan de la victoire. À regret. Il ne me pardonne pas ma popularité. Cette lettre, c'est une façon pour lui de prendre date. Si jamais l'armistice provoque des déceptions, il ressortira son petit dossier et il affirmera partout qu'il m'avait prévenu. Cet homme a un dossier à la place du cœur. C'est un esprit étroit, c'est un tempérament de pisse-froid. Qu'allez-vous faire ? Qu'est-ce que je vais faire, mais parbleu, mais je vais lui répondre. Je vais lui rappeler que son bilan ne l'autorise pas à me donner des conseils, et s'il ne retire pas sa lettre, je lui fiche ma démission. Pas démissionner au moment où la victoire vous donne raison. Je vais me gêner. Messieurs les députés de la République, l'armistice a été signé ce matin à 5 heures par le maréchal Foch, l'amiral Wimmis et les plénipotentiaires allemands. Il me semble qu'en cette heure terrible, grande et magnifique, mon devoir est accompli. Un mot encore. Au nom du peuple français, au nom de la République française, j'envoie le salut de la France, une et indivisible, à l'Alsace et la Lorraine retrouvées. Bravo ! Bravo ! Ensuite, je veux saluer nos morts. Ils sont grands. C'est eux qui ont fait notre victoire. Quant aux vivants, qu'ils soient salués d'avance. Nous les attendons pour la grande œuvre de reconstruction sociale. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui, soldat de l'humanité, sera pour toujours le soldat de l'idéal. Merci. Merci. La Chambre des députés a adopté par 427 voix contre une la proposition de loi suivante, déjà adoptée à l'unanimité au Sénat. Article 1er. Les armées et leurs chefs, le gouvernement de la République,
le citoyen Georges Clemenceau, président du Conseil et ministre de la guerre, le maréchal Foch, généralissime des armées alliées, ont bien mérité de la patrie. Article 2. Le texte de la présente loi sera gravé pour devenir permanent dans toutes les mairies et les écoles de la République. Bravo! Fleuriront les mille blancs, on épousera de faux serments, sans qu'on se souvienne que des amours anciennes, quand fleuriront les mille blancs. C'est incroyable ce service, hein, cette discrétion. Comment ça, vous avez toujours reproché votre train de vie, non? C'est le seul point sur lequel je n'ai jamais cédé. Gina. En fait, merci. En fait, vous êtes l'homme qu'il connaît le mieux. Je l'admire depuis toujours. Il a toujours incarné la République. Et vous connaissez depuis quand? Regardez. 1898. Là, il est avec Zola. Clemenceau dirige L'Aurore, un journal quotidien. On est en pleine affaire Dreyfus. Frénésie antisémite. Ce jour-là, Zola propose sa célèbre lettre ouverte. J'accuse. Tous les rédacteurs étaient contre. Clemenceau décide seul de la publier. Son courage, sa grandeur. Lorsque le jeune juif que j'étais a lu ce numéro de L'Aurore, il est devenu clémenciste. Zola et Clemenceau. Ça avait de l'allure. Pour aujourd'hui, j'en ai assez dit. Concentrons-nous sur le lièvre royal. C'est bon, hein? Magnifique. C'est délicieux. Et dites-moi, Georges, à part vous, qui peut me parler de cette époque? N'arrêtez donc jamais. Ah, voyez, Léon Blum, ma part. Charlotte Beauséjour. Bonjour. Léon Blum. Mais vous qui avez participé au combat de l'affaire Dreyfus, vous pouvez me dire quel rôle a joué Clemenceau? À l'époque, j'étais surtout aux côtés de Jaurès, qui a été avec Zola l'âme du combat. Mais Clemenceau a été le stratège politique de la défense de Dreyfus. Sans cesse sur la brèche, toujours en première ligne du combat. Et il se battait comment concrètement? Mais en publiant J'accuse, il a lancé un défi à l'armée, la justice, l'Église, au gouvernement. Lorsque Zola et L'Aurore sont poursuivis en justice, il plaide pour le journal aux côtés de Maître Laborie qui défend Zola. Il attaque. Donc, il avait compris qu'avec Dreyfus, c'est l'innocence qui était condamnée au nom de la raison d'État. Détrompez-vous. Comme moi, au début, il a cru Dreyfus coupable. Ce n'est qu'à l'automne 1897, trois ans après la condamnation de Dreyfus, qu'il se convainc, après des conversations avec Mathieu Dreyfus et Lucien R, de l'innocence du condamné. Mais alors, à partir de là, il se jette tout entier dans la bataille pour la révision du procès. Et
Comment vous expliquez la vigueur de son engagement? Peut-être le fait que lui-même avait souffert des accusations injustes à l'époque du scandale de Panama. Clémenceau n'a jamais été de mes amis, mais il faut lui reconnaître une véritable passion pour la justice et la vérité, une sorte de rage de prouver le vrai. Et puis, l'antisémitisme effraie le républicain qu'il est. Si bien qu'avant Jaurès, avant le Parti Socialiste, il s'engage pour Dreyfus. C'est un républicain irréprochable. Quel homme, quand même. Oui, c'est vrai. Mais moi, mademoiselle, je préfère Jaurès. Je commence à maîtriser mon personnage. En permanence, je confronte son point de vue avec les contradicteurs et les témoins. Il a fini par accepter ma manière de l'interroger sans complaisance. Il a été journaliste et écrivain. Il a du respect pour ceux qui manient la plume. Et puis, il est délicieusement gaulois. Galant, courtois, mais toujours un peu sexiste. Il me fait confiance, mais me surveille. Mandel m'avait dit, Clémenceau, on le hait ou on l'adore. Moi, je l'adore. Et voilà. Le plus bel endroit du monde. Non? Oui. Ah, mais au fond, si vous pouvez profiter de la Vendée, c'est grâce à Deschanel. Faites des progrès, Charlotte, hein? Je vois que maintenant, vous connaissez bien la vie politique française. Deschanel. Ce mannequin a passé sa vie à cultiver les amitiés pour accéder un jour à l'Élysée. Et quelques mois après son élection, il est devenu gâteux, il a dû démissionner. Ah, vous le méprisez vraiment, hein? Vous savez que le président l'a affronté en duel en 1894. Sérieusement? Eh, parbleu. Ce galopin venait d'être élu député, et voilà qu'à la Chambre, il m'accuse de servir un État étranger. Alors je lui ai répondu dans mon journal, La Justice. Je lui ai dit qu'il était un menteur et un lâche. C'est excitant. Oui, ça l'a contraint au duel. Nos témoins avaient délimité un grand terrain. Paul Deschanel arrive, portant beau, l'air martial, viril. Nous mettons bas l'habit et nous sortons nos lardoirs. Voyez, j'avance, il recule, j'avance encore, il recule. Attention, attention, Morbser. Je marche et je remarche, et voilà mon Deschanel qui sort du terrain. Alors je lui dis, dites donc Deschanel, vous nous quittez déjà? Je reviens à notre point de départ, on recommence, même manège. À ce moment-là, on s'aperçoit que le député a été blessé au front et au coin de l'œil. Sans savoir très bien s'il s'est jeté sur mon épée ou s'il s'est blessé avec la sienne par maladresse. Ah, c'est un spectacle assez ridicule. Voilà. Voilà mon duel, Charlotte. Et j'avoue que j'en suis pas fier. Vous savez, monsieur le président, qu'on jase dans Paris. On jase? Oui. Ça veut dire qu'on me prête encore un peu de pouvoir de séduction. Qu'il jase, nom de Dieu, qu'il jase. Finalement, la guerre s'est terminée ici, le 28 juin 1919. Les représentants des gouvernements qui avaient déclaré la guerre à l'Allemagne ont enfin signé le traité de paix. La garde républicaine en grande tenue accueillait les délégations qui gagnaient ensuite la Galerie des Glaces. Il y avait une foule de journalistes, de diplomates, de militaires, d'anciens combattants. Monsieur le Président? Oui. Pour la photo? Ah, c'est vrai, je l'avais promis. Vous avez de la suite dans les idées, Charlotte. Mmh. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, merci. Sans vous, merci. Sur la photo de Versailles, vous êtes tous là tellement amical et souriant. Ah oui? En fait, on était soulagés. Nous éprouvions beaucoup de respect les uns envers les autres. Chaque délégué défendait ses convictions, l'intérêt de son pays. Vous savez quand même que certains vous reprochent de vous être laissé manœuvrer par les Anglais puis les Américains. C'est ridicule. La France n'a pas gagné seule. Nos alliés américains et britanniques ont combattu à nos côtés. Eux aussi sont les vainqueurs. Mmh. Et en vérité, Charlotte, s'il n'y avait pas eu l'appoint des Américains,
Nous n'aurions pas pu l'emporter. Alors il fallait bien passer des compromis. Et dans un compromis, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Soit. Mais quand même, certains de vos adversaires vous accusent d'avoir négocié seul, sans vous appuyer ni sur le Parlement ou l'opinion, donc ça a forcément affaibli votre position. M'appuyer sur quoi? Sur qui? Hein? Sur la droite nationaliste qui me reprochait de sacrifier les intérêts nationaux? Ou sur les socialistes qui, comme d'habitude, se sont déchaînés parce qu'ils pensaient que je ne cédais pas suffisamment à l'idéalisme de Wilson? Et d'ailleurs, ce déchaînement de violence m'a valu de gros ennuis. Il a armé le bras d'un assassin. Trois balles dans le corps, c'est pas rien. Il en a d'ailleurs une toujours près du cœur. Ah ben, en somme, il tient en place. En voyageant, il mesure le rapport de la France au monde. Il élargit son horizon. Clemenceau est un anticonformiste. Comparez-le aux autres dirigeants politiques, il détonne. Léon Blum dit la même chose. Il dit que Clemenceau est un homme libre. Blum dit vrai. Vous voyez son rapport à l'argent? Ah ben, justement, dans l'affaire du Panama, est-ce qu'il a touché... Non, mensonge. Calomnie, Charlotte. Non. Le président est riche de défauts, mais il n'a pas un fifrelin. Pour voyager, il donne des conférences, pour vivre, il écrit des articles, des livres. Non, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler qu'il me reproche toujours mon train de vie. Oui, ça c'est vrai. J'attaque le dernier chapitre, monsieur le président. Laissez tomber le président. Tenez, asseyez-vous. Au début de la Troisième République, vous êtes un homme d'extrême gauche. Puis vous attirez la haine des socialistes, et c'est à droite que vous trouvez vos principaux soutiens. Pourquoi vous avez changé? Je n'ai pas changé, Charlotte. C'est le monde qui a changé, en près de 50 ans. En fait, je suis ni de droite ni de gauche. Je suis républicain. J'ai toujours été. Je suis un fils de la Révolution française, de ses valeurs, de ses principes. Y compris celle de la terreur et de la guillotine? Mais bien sûr. Je ne fais pas le tri. Merci, Albert. Je vais servir. La Révolution française est un bloc, sans la terreur. Comment aurait-elle fait pour préserver ses acquis, ses conquêtes, ses principes? Mais bien sûr, en tant qu'homme, en tant que médecin, je suis respectueux de la vie humaine. Mais lorsque la patrie est en danger, nécessité fait loi. Bien. Et comment appliquer ces principes alors que de 1906 à 1909, quand vous êtes président du Conseil, vous réprimez les grèves, les manifestations ouvrières, puis celles des viticulteurs du Midi? J'ai combattu la droite parce qu'elle voulait nous ramener à l'Ancien Régime. Mais je me suis aussi battu contre les socialistes et les anarchistes parce qu'ils voulaient abattre la République bourgeoise, comme ils disaient. Je n'aime ni les couvents cléricaux, ni les casernes socialistes. J'ai rencontré Brian. Oh. Il affirme que votre principal échec, c'est d'avoir raté la paix. Brian est un imbécile, notez-le. Le retour dans cette assemblée des représentants de l'Alsace et de la Lorraine marque une ère nouvelle et magnifique de notre histoire. Ils reviennent enfin parmi nous, après de longues souffrances supportées avec une énergie et une fidélité admirables. Nos bras s'ouvrent tout grands pour les recevoir. La parole est à monsieur le président du Conseil. Clemenceau,
frères d'Alsace et de Lorraine, la France vous reçoit sur son cœur. D'une terrible histoire de larmes et de sang, vous avez fait jaillir une allégresse d'une douceur infinie. C'est que, unis ou séparés, nous étions, nous ne pouvions cesser d'être la France. C'est que vous aviez emporté avec vous un peu de la France. Et c'est de la France toujours, préservée de la souillure ennemie, que vous rapportez des jours de servitude dont vous avez su faire des jours de fierté. Est-ce espérer trop haut que de vouloir que le jour de l'Alsace et de la Lorraine retrouvés s'achève dans la résolution confiante d'un vieux peuple renouvelé? Point de relâche, point de vaine querelle, la France à refaire. Attends-nous. Cette séance a été un véritable triomphe. Clémenceau s'est persuadé que les parlementaires comptaient sur lui et il a décidé de se laisser porter à la présidence de la République. Rien laisse entendre qu'il a organisé la défaite de Clémenceau. C'est vrai. Clémenceau n'a pas voulu faire campagne, tout à ses responsabilités gouvernementales. Briand a en effet mobilisé contre lui tous les parlementaires. Et alors la popularité de Clémenceau? Bon. Briand a été habile, machiavélique. À tous, il a assuré que Clémenceau sera un président autoritaire qui imposerait sa loi au Parlement. Si bien que lors d'un vote préparatoire, les élus lui ont préféré les Chanel. Immédiatement, Clémenceau a retiré sa candidature et démissionné de la présidence du Conseil. Je suis ulcéré. Vous préférez Deschanel alors que vous avez sauvé le pays, que la plupart des députés se sont fait élire en mettant en avant votre nom. Que vous êtes naïf, mon fidèle ami. Vous savez pourtant bien qu'en politique, la première règle de l'action, c'est l'ingratitude. La loyauté s'efface devant l'ambition. Voilà. C'est égal. Ces votants se sont déconsidérés. Leur petitesse est une humiliation pour le pays. À l'avenir, à nos projets. Placé sans effort au-dessus de tout cela. J'en ai trop vu, mon cher Claude. Rien ne peut plus m'affecter dans le monde politique. Quand je pense que Deschanel, atteint de troubles mentaux, a été contraint de démissionner. Ça, c'est l'ironie de l'histoire, mon cher Claude. Briand avait fait toute sa campagne en annonçant que je deviendrais gâteux. Mais finalement, c'est son candidat qui a connu ce coup du sort. Franchement, Georges, après un si grand rôle, vous n'éprouvez pas de l'amertume à être sans action sur les choses? Oh, sans action, comme vous y allez. Je surveille la mer, qui a l'air de ne pas pouvoir dire ce qu'elle voudrait. Je dialogue avec mes iris, les anémones rouges, les bergeronnettes.
les oiseaux de mer qui sillonnent le ciel, et par-dessus tout, avec le créateur du monde qui ne comprend rien à ce qu'il a fait et qui attend de nous, pauvres mortels, que nous lui expliquions. Tout de même, n'avez-vous pas ressenti un sentiment d'irritation devant les mesures prises par le nouveau gouvernement? Même la mystie de Caillou vous laisse de marbre. Ah, mais si Caillou était empereur, je lui demanderais une place de garde champêtre honoraire pour être mieux placé aux cérémonies. Et vous, comment vont vos yeux? Comme les vôtres, un peu mieux, guérissent lentement. Mais je conserve mes verres fumés parce qu'ils me donnent un air de fausse ressemblance avec vous. Enfin, beaucoup mieux, naturellement. Tiens, à propos, expliquez-moi donc pourquoi les volets de ma fenêtre ont cet air effrité et pas ceux des autres pièces. Ah, eh, si vous étiez un peintre, un vrai peintre, vous me le diriez. C'est promis. Mais pas avant que vous m'ayez offert le déjeuner. Vous avez raison, vieux crabe. Je vais vous faire goûter un petit vin qui me procure un secret, un de mes amis. Voilà. Renonçons aux frivolités de ce monde et tournons-nous vers les valeurs sûres. Après, nous parlerons de vos prochaines toiles. Les nouvelles de Charlotte? Son livre est presque terminé. Elle va nous rejoindre. Elle va nous manquer après son départ. Peut-être. Peut-être. Au lendemain de Versailles, le traité n'a plus guère de défenseurs. Le président américain n'a pas pu le faire ratifier par le Congrès. Le premier ministre britannique Lloyd George a été battu aux élections d'après-guerre. Clemenceau ne gouverne plus à Paris. Et à Berlin, c'est la révolution, c'est le chaos, la crise, qui ruine tous nos efforts. Alors, la paix, hein? Nous l'avons toujours voulu, la paix. Nous la voulons encore. Il faut reconstruire le pays par la paix, dans la paix. Mais ne nous leurrons pas, c'est pas en bêlant la paix que nous l'obtiendrons. Partout dans l'Europe d'aujourd'hui renaissent des dangers que nous croyions écarter. Les démocraties sont fragiles, elles sont en butte à des apprentis dictateurs. En Allemagne, le militarisme prussien gagne du terrain. Les Anglais ne rêvent que de commercer avec les anciens ennemis. Alors mes amis, si nous voulons sauver la paix, il faut être fort. Il faut galvaniser le pays. Et surtout, il ne faut pas s'abriter derrière l'illusoire protection d'une société des nations impuissante. Regardez nos enfants. Ils ont envie de grandir dans une France tranquille, verdoyante. Et surtout, de grandir dans une France en paix. Voilà. Et c'est pour ça que je vous propose maintenant de lever nos verres et de boire à la santé de notre beau pays.